Vandaag vloeit er bloed bij Infrabel. De dienst Corporate and Public Affairs organiseert 2 keer per jaar een bloedinzameling. En dit ter ondersteuning van de 5e prioriteit van Infrabel. Op 1 lijn met de samenleving. Donc je pense qu'il est important de sensibiliser les gens à faire des actions citoyennes, à essayer de travailler à la solidarité et de pouvoir avec un tout petit peu de son temps donner pour les autres. Datgene wat jij gratis hebt en over hebt om te geven aan je medemens. En er is nood aan, waarom zou je dat dan niet geven? Voor mij is dat een evidentie. 40 medewerkers schreven zich in. Maar uiteindelijk komen er nog een pak meer spontaan opdagen. Mais si on a 40 personnes qui viennent, on aura à peu près 20 litres. Puisque c'est à peu près 500 ml par donneur. Iedereen heeft zijn eigen motivatie. Wel, toen het ongeval gebeurd is in Enghien, hadden ze opgeroepen dus naar het personeel toe om bloed te geven. En vanaf dan ben ik gestart eigenlijk. L'expérience était concluante la première fois, donc je reviens. Ik heb O negatief, dus dat is wel heel interessant. J'avais toujours eu peur. Et puis voilà, maintenant, avec sous la pression de l'environnement Infrabel, voilà, j'ai décidé de franchir le pas. Et finalement, je ne regrette pas. Ça s'est très bien passé jusqu'à présent, donc c'est très positif. Eens overtuigd op het werk, bieden mensen zich ook buiten de werkuren vaker aan als bloeddonor. Il suffit de taper sur le site oui, donneur de sang. Et vous tapez là où vous habitez votre code postal. Et vous aurez les collectes autour de chez vous. 70% van de mensen heeft ooit in zijn leven bloed nodig. Slechts 3% is donor. Pour garder un équilibre entre les donneurs et les receveurs et donc pour maintenir cet équilibre, c'est sûr que on a besoin. In totaal werden er 56 bloedzakjes verzameld. Infrabel hoopt in de toekomst het project te kunnen uitbreiden naar andere sites in België. Oui, je pense que ce qu'on aimerait faire aussi, c'est décliner cette action dans les zones, dans les areas, essayer de sensibiliser les gens pour pouvoir eux aussi apporter leur petite action, sachant que c'est une action qui est gratuite et qui ne nous demande qu'un petit peu de temps. Tuurlijk, wie zich geroepen voelt, wordt dan ook gratis meters getest ook. Je weet meteen in dezelfde moeite hoe dat met je lichaam gesteld is. Bloeddruk, hartslag en wat weet ik allemaal. Why not?